Nous sommes en direct de la Martinique. Nous sommes sur les hauteurs du Vauclin, en compagnie de Patrick Vallée, celui, l'inventeur, le premier à avoir créé la fameuse lampe calebasse. Patrick Vallée, bonjour. Oui, bonjour Eddy. Comment tu vas? Oui, ça va. On tient, nous kagoumets. Eh bien, figure-toi que ça fait maintenant 27 ans qu'on s'était rencontrés. Exactement. Tu vois? Et déjà, tu avais commencé depuis 1990. Oui. Mais j'ai pas eu l'occasion de venir, mais ouais. 1990, déjà, c'était déjà la première année où tu as commencé à faire la... Que j'ai commencé à faire les lampes, à travers la calebasse, mais surtout les lampes à pétrole. Ouais. Voilà, la première année. Donc, on s'est vu en 95. Voilà. Et depuis 95, eh bien, le sujet a pris plus d'importance parce que c'est Patrick Vallée crée de nouvelles lampes, de nouvelles choses qu'on verra tout à l'heure. Donc Patrick Vallée, on va faire quoi ce matin-là? Alors aujourd'hui, on va procéder à la cueillette ouais. des calebasses en vue de faire des lampes à pétrole. Là, je choisis des formats bien précis. D'accord. Donc on va passer à la cueillette. D'accord, ok. On y va alors. Alors la calebasse, pour qu'elle soit mûre, il faut voir lorsqu'elle est bien verte. Un vert assez foncé, par exemple celui-là. Ouais. Elle est mûre, donc je peux la cueillir. Il faut qu'il soit de vert bien foncé alors. Bien foncé. Soit un vert bien foncé, mais quand ça tourne aussi au marron, ouais. c'est qu'elle est déjà bien mûre. Celle-là aussi, elle est bien verte. Ouais, tu peux me la monter. Ouais. La forme est arrondie. Arrondie. Par exemple, celle-là, ouais. Je vais faire un support avec pour les lampes. D'accord. Donc le choix des calebasses. Tu as des calebasses pour le contenant, pour la lampe à pétrole. Et tu as d'autres modèles que je vais choisir pour faire des supports. Oui, celle-là aussi, elle est de verre assez foncé, donc elle est mûre. Mm-hmm. Alors, dans la cueillette, il faut penser aux calebasses pour les lampes, ouais. Aussi les demi-calebasses pour faire le support. Donc il faut vérifier qu'elle soit bien verte ou bien aussi en tapant dessus. D'accord. Si elle est molle, c'est qu'elle n'est pas encore mûre. Ok. Et sinon, le contenant, normalement, lorsqu'on le secoue, il ne bouge pas? Il ne bouge pas, non. D'accord. Il bouge pas. Donc avec l'expérience, je vois tout de suite dans l'arbre si elle est mûre ouais. ou pas. Ah oui. Il y a une là-bas. Oui, celle-là aussi, tu vois, comme je disais. Elle commence à devenir marron. Légèrement ouais, oui. Orangé. C'est qu'elle est, ouais, c'est qu'elle est vraiment mûre. Et celle-là fera une très belle lampe. Le motif va dépendre de la couleur au séchage. D'accord. Donc, couleur marron ou pas, parce que si tu veux, c'est la calebasse même qui va me dicter quel motif faire. Parce que j'utilise deux techniques, la pyrogravure et la gravure. D'accord. Donc, sur le même calebasse, tu peux avoir la pyrogravure et la gravure. Ou uniquement gravure ou uniquement pyrogravure. D'accord, ok. Sur du séchage, je saurais quoi faire. Par exemple, celle-là, vu la grosseur, je vais l'utiliser comme support. Mm-hmm. Couper de moitié et ce sera un support pour une lampe à pétrole. Mais c'est une démarche qui est tout à fait personnelle. Comme j'aurais pu faire une lampe aussi avec, ouais. Mais je préfère choisir les autres pour le contenant et celle-là, ce sera un support coupé de moitié. Parce que même moi, après 30 ans, je découvre encore. Ah ben oui. Et puis c'est un monde qui est exploitable ouais. à foison. En principe, quand tu cueilles les calebasses, tu en as pour à peu près un sac de combien? Il est rempli le sac? Oui, ça dépend. Ça dépend le nombre de calebasses qu'il y a dans l'arbre. D'accord. Il y en a qui ne sont pas bien mûres, donc je les laisse. Mm-hmm. Et puis j'attends 2-3 semaines pour qu'elles soient mûres. D'accord. Mais tout dépend du calebassier. Au toucher, elle est molle toujours. Et de par sa couleur, elle n'est pas bien verte. Ah, ok. Donc je vais la laisser pendant 1 à 2 semaines et je vais la cueillir à ce moment. Donc, deux semaines. Oui, oui. Pour être sûr qu'elle soit bien mûre. Mais là, au toucher, elle est trop molle. Elle est trop molle et puis de par sa couleur. D'accord. Donc avec l'expérience, tout de suite, je sais si elle est bonne à être cueillie. À être cueillie. Donc là, on a fait le plein là, c'est bon, J'ai pu prendre des calebasses pour le contenant et des calebasses aussi pour le support.
Et là, maintenant, ce que tu vas procéder maintenant, tu vas procéder donc... au nettoyage des calebasses. Nettoyage, et ouais. Tu vas les laisser sécher combien de temps à peu près? Alors, il faut compter une à deux semaines. Deux semaines quand même. Oui, tout dépend du soleil. Bon, je peux laisser sécher à l'intérieur, ouais. Mais plus sous l'effet de la chaleur, ça va donner un effet immédiat. OK. Et puis c'est selon ce que moi je recherche comme couleur. Oui. Mais plus elle va sécher, mieux ça ira. Ah ben c'est parfait alors. Oui, ben on va y aller. Oui, alors par exemple, cette forme-là dans l'arbre, je pense faire une tirelire avec, de par sa forme, son originalité, et que je ne vais pas retrouver ailleurs. Donc c'est entre plusieurs broches dans l'arbre, et puis voici ce que ça a donné. Une forme vraiment spéciale hein, quand même. Hein. Très, très spéciale. Ouais. Mais tu as déjà vu ce que tu vas faire avec tout de suite. Oui, j'ai déjà vu ce que je vais faire avec. Ce sera une tirelire. Je vais nettoyer quand même l'intérieur, recoller. Et puis, mais elle a une forme assez intéressante. Que je suis sûr que je ne vais pas retrouver ailleurs. Oui, alors le principe de la calebasse, avant qu'elle soit mûre, qu'elle soit faite, il y a une petite fleur jaune. Qui apparaît comme un bourgeon. Et puis après, tu as la petite calebasse. Mais tout d'abord, il y a une fleur jaune. Puis après, le processus de maturité commence. Et la calebasse, j'ai une question, bon, elle est peut-être stupide, hein, mais lorsque toi, par exemple, tu arrives, tu vois une calebasse en début de floraison qui a commencé à grossir, est-ce que tu peux imaginer déjà la forme que ça va avoir? Non. Pas vraiment. Par contre, je peux lui donner une forme. Je peux la travailler, lui donner une forme. D'accord. À base de ficelle ou bien je peux la travailler. Ah, mais petit d'accord. Comme ça, non. Non. Non, c'est une fois qu'elle a maturité, je vais voir déjà qu'est-ce que je vais faire avec comme produit. Et même des fois, ça m'arrive de l'imaginer au séchage. Ah. Donc, à maturité, je vois tout de suite, avec l'expérience, je vois tout de suite ce qu'elle peut donner. D'accord. Mais petite, non, au contraire, petite, je peux la transformer. D'accord. Pour qu'elle, au fur et à mesure, elle va grossir, elle va prendre une forme bien délicate. Ah, ok. Ouais. Ah, ben c'est parfait alors. Ouais. Il y a beaucoup de subtilité quand même avec ce produit. Hein. Et puis, comme je disais aussi, de calebasser un autre, ça dépend du lieu, de la température. Tu as des calebassés qui vont porter toute l'année. Ouais. Il y en a d'autres, non. Et c'est dû à quoi, ça, d'après toi? Non, je pensais au climat, le lieu que le calebassier se trouve aussi. Et il arrive que le calebasse pousse en hauteur ou pas? Oui, oui, il y en a plus haut. Oui, il y a différents calebassiers. Il y en a qui sont en hauteur, qui sont à plat comme celui-là. Bon, ça l'a porté. C'est très facile de l'accueillir. Mais il y en a d'autres, il faut un support pour pouvoir l'accueillir. Et puis tu as différents types de variétés. Ouais. Tu as des calebasses petites pour les porte-monnaies, pour les tébales, qui restent petites, ou certains particuliers utilisent l'arbre comme sapin de Noël. Ah donc, oui. Donc prochainement, là, avec à Noël, les calebasses, ils vont mettre du spray dessus, à enchanter, et dans l'arbre même. Hein, okay. Et ils vont décorer avec... J'ai jamais vu ça, celui-là. Oui, ils l'utilisent comme c'est un sapin de Noël naturel. Ah, ok. Parce que la taille de l'arbre, elle fait moins de 2 mètres. Ah, ok. Donc, les particuliers là, mettent du spray qui font office de boule. Et puis, ils décorent avec des guirlandes et tout l'arbre qui fait office de sapin. D'accord. Ouais. Ah ben c'est une chose que je ne connaissais pas, mais une nouvelle chose que j'ai appris. Ça, les gens ont un sapin naturel chez eux. D'accord. Au lieu d'aller acheter un sapin en magasin, ils l'ont naturellement. Mais c'est vrai que tu as des grosses, des petites calebasses, et tu as des calebasses aussi avec différentes épaisseurs. Ah. Oui, donc c'est... Elles sont plus difficiles à travailler ou bien... Non, pas forcément. Les calebasses minces, ouais. Je vais plus les pyrograver. Ouais. Tandis que celles qui sont épaisses, je vais les graver et pyrograver. Non, mais tout dépend de la forme, de l'épaisseur de la calebasse, ouais. Qui va définir ma technique de travail. Je prends cette dernière et on y va. C'est là aussi pareil, ça. Je vais l'utiliser comme support. Comme je peux faire aussi une tirelire avec, ouais. Par exemple. Donc on peut faire, y a pas mal... deux choses à faire avec une calebasse. Elle a une belle couleur. Hein? Ouais. Ou bien couper de moitié, ça peut servir aussi comme amuse-gueule, comme support, les amuse-gueules et tout. Donc c'est une démarche tout à fait personnelle,
chacun la travaille différemment. J'ai des amis qui vont la travailler autrement, qui vont faire des produits autrement. Donc chacun, et c'est ce qui est bien dans la calebasse. Ouais. Il y a toute une diversité au niveau de la créativité. Là, tu es bien chargé. Oui, bien chargé là, ouais. Il y a pas mal de lampes à pétrole en vue avec tout ça. Et des heures de travail. Ah oui, surtout. Oui, avec tout ce que j'ai ramené là, il y a des heures de nettoyage, séchage. Mais une lampe, en temps normal, me prend 2 semaines de travail, sans compter le nettoyage. Il y a même des motifs qui me prennent plus d'une semaine. Une semaine, donc sans compter le nettoyage, ça veut dire que si tu nettoies pendant une semaine, 2 semaines, c'est ça? Oui, oui. Et après, tu dois faire la lampe en 2 semaines aussi? Oui, 2 semaines. Donc ça fait 4 semaines de boulot, oui. Un mois quoi? Oui, disons un mois en tout, oui. Un mois de travail. Vernissage, collage. Oh là là, mais c'est énorme. Hein. Et en plus, il faut traiter aussi la calebasse à l'intérieur, ouais. Pour éviter que le pétrole ne coule. Donc il y a tout au travail. Donc c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça. Non, ça demande quand même un mois. Ouais. C'est beaucoup, hein. Et après 30 ans, chaque lampe me demande une attention particulière. Eh oui, et puis donc l'expérience fait que tu t'améliores. Oui, donc... voilà. Ouais. Mais il y a des normes à respecter, comme le produit que je vais mettre à l'intérieur, je donne 2 couches pour m'assurer que le pétrole ne va pas couler. Après, il y a le système de vernissage. Un premier vernissage à sec. Après un deuxième, un troisième vernis, et puis ça va. Donc les gens qui voient qui verront cette émission, ils se rendent compte quand même que c'est un travail particulier. Tu as le temps déjà d'aller faire la cueillette, ça te prend à peu près 2 heures. Ouais, au moins. 2 heures pour faire la cueillette, ensuite bien les choisir. Et ensuite, ouais. Lorsque tu dois nettoyer la calebasse, ça prend à peu près 2 semaines. Oui, il faut compter 2 semaines. 2 semaines. Le séchage, ça fait... Oui, disons 2 semaines, ouais, ouais. Ouais. Donc plus pratiquement, ouais, disons un mois même plus un que mois, ça. Un mois, plus que ça de travail. De travail. Pour une seule lampe. Et donc, même lors de la cueillette, comme je disais auparavant, il y a des calebasses que je vais choisir pour le contenant, et il me faut aussi des calebasses pour le support. D'accord. Donc il y a un choix aussi à faire qui est très difficile. Hein. D'accord. Choisir le contenant et choisir la moitié d'une calebasse pour le support. D'accord, ok. Mais c'est un travail passionnant. C'est passionnant et puis, ouais. Tu sais, être l'unique, l'inventeur de ce procédé. Ah oui. Donc, tu es obligé de... Ah oui, je fais attention particulière à chaque confection d'une lampe, il y a une attention particulière. D'accord. Ok, eh ben c'est parti. Là, Patrick, tu nous allumes une de tes lampes. Voilà, une lampe à pétrole assez originale. Hein. Et alors là, c'est une lampe à pétrole que j'ai allumée. Mm-hmm. Donc la flamme n'a aucun contact avec le contenant, c'est le verre seulement qui va chauffer. Donc au niveau de la tête de la lampe, j'ai mis une colle spéciale, mm-hmm, qui va me servir de collage et aussi d'étanchéité. Par rapport au contenant. Donc ça va, ça s'allume tranquille. Et cette lampe à pétrole aussi, elle a plus de 30 ans. 30 ans? Ouais. Alors, et ici, donc, je vois une espèce de tortue. Non, c'est un poisson. Ah, c'est un poisson. Ah oui, j'ai pas. Ouais, désolé, un poisson. Donc ça fait office de fruitier. Ouais. Donc toujours avec des motifs particuliers. Donc à côté, tu as une calebasse en préparation pour une lampe aussi, mm-hmm, entièrement pyrogravée par contre. D'accord. Et ce motif aussi m'a pris au moins plus d'une semaine de travail à faire le motif. Une semaine de travail. Oui. Et à côté, je vois une feuille de balisier. Oui, c'est une fleur de balisier. Alors là, la fleur de balisier était découpée dans la calebasse. Dans la calebasse. Oui. Et donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Attends, tu peux m'expliquer Oui, alors savoir couper... Savoir faire la découpe de la fleur dans la calebasse, c'est pas évident. Hein. Alors, à peu près combien de temps il faut compter au moins 20 à 25 minutes. Mais il faut faire attention à la découpe. Une fois que c'est découpé, j'enlève la pulpe qui est à l'intérieur et puis ça va. Ah, ok, le travail est fait avant même. Avant de la nettoyer. Ah, oula. Oui, oui, la découpe de la calebasse se fait dans la calebasse lorsqu'elle est verte. Ah, ok. Et c'est après que j'enlève la pulpe. Donc c'est un travail particulier. Oh là, c'est méticuleux ça. Ouais, ça me prend des fois une demi-heure de travail. Une demi-heure. Ouais. Ok. Et ce qui est bien au séchage, la fleur elle prend sa forme initiale. Toute seule. Sous l'effet de la chaleur, toute seule. Ouais.
Donc il fait que ça donne un très beau rendu. Un beau rendu, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est particulièrement beau. Alors là, tu as des différentes lampes. Oui, alors différentes lampes, toujours le même procédé. Le contenant et le socle. Le socle, c'est une moitié de calebasse. C'est une moitié de calebasse. Ouais. Et là, tu as les deux techniques, la gravure et la pyrogravure. Donc sur une même calebasse, on va retrouver les deux techniques. Les deux techniques. Ouais. Par rapport à la couleur de la calebasse, donc qui définit le motif. Alors ici, dans ça là. Oui, alors ce sont des, ça fait office de tibale. Ce sont des calebasses vertes qui restent petites. Mm-hmm. L'originalité de cette calebasse, c'est qu'elle reste petite, elle ne va pas grossir. Elle ne va pas grossir. C'est une variété qui est condensée. Ouais, ouais. Et elles ont toutes cette forme là. Oui, elles ont toutes cette forme là. Oui, une forme allongée. Allongée. Donc pareil, différents motifs. Oui. Et ce sont des timbales qui sont très demandées. Hein. Là, il y a des cocotiers dessus, par exemple. Ah oui, et les motifs changent à chaque fois. Les motifs changent, oui. Ah oui, donc comme ça, même si ils sont à plusieurs, celui-là, c'est celui-là qu'il a utilisé. Non, mais c'est vraiment bien, vraiment génial. Oui, en fonction de la couleur de la calebasse, toujours pareil. Les motifs changent. Et par exemple, pour graver, pour faire ces genres de motifs-là, ça te met, c'est une petite calebasse, ça te met combien de temps à peu près? Donc, il faut compter au moins une heure. Une heure par timbale. Par timbale. Oui. Mais le dessin, tu le fais main levée. À main levée aussi. Ah, là, ok. Oui, à main levée. Les cocotiers, je le fais directement avec le pyrograveur. Mm-hmm. Et là, avec le graveur, après. Et là aussi, c'est pareil, il y a le nettoyage et le séchage. Et pour les petites calebasses, c'est pareil. C'est le même procédé que le procédé. Pour la cueillir, nettoyer, sécher et après travailler. Donc, il y a quand même pas mal d'heures de travail. Oui, exactement. Alors, nous avons ici le même procédé. Oui, alors c'est la même calebasse, ouais. Mais que j'ai découpée différemment. Différemment. Et alors là, il s'agit de quoi, là, ici? Il s'agit d'un porte-monnaie avec du tissu à l'intérieur. Et c'est moi qui fais le tour, depuis la couture jusqu'au graphisme, en fait tout. En plus, c'est fait à la main. Ça, par contre, ça me prend plus de 2 heures de temps. C'est une technique particulière pour mettre le tissu à l'intérieur et puis ça va. Là, j'ai utilisé du cuir comme support et puis là, ça se ferme tranquille, voilà. Avec une pression? Avec une pression. Du cuir aussi là et puis ça va. Donc original. Là aussi, différents motifs. Tu as celui-là, tu as ce motif avec une autre couleur de madras. Tout est question d'inspiration. Mm-hmm. Et là aussi, le fameux cocotier, pareil, avec des cocotiers. Mais le tout fait à la main. La couture aussi, c'est fait à la main. Mm-hmm. Et là, tu as une autre variété de porte-monnaie où j'ai ajouté du bacquois. Ah, oui, celui-là, ouais. Il s'ouvre par le rond. Par le rond. Il suffit de tirer dessus et ça va. Et c'est bon. C'est bon. Waouh. Ça aussi, c'est unique. Hein, c'est le seul enfer. Porte-monnaie, enfin tout ce que tu vois ici, c'est ma propre conception. Made in Patrick Vallée. Patrick Vallée, unique. Unique, marque déposée. Hein. Ouais. Là, tu as un modèle entièrement gravé. Ah oui. Ça ressemble à l'écaille de serpent ou tortue. Là, c'est entièrement gravé. Comme j'aurais pu aussi la pyrograver, mais j'ai laissé naturel. Mmh. Encore avec une autre couleur de madras. Donc toujours le même principe, la pression et ça va. Alors là, je vois que tu as une lampe qui a une forme assez particulière là. C'est celle-là. Oui. Donc j'ai cueilli dans l'arbre comme ça, avec la forme particulière. Mmh. Et tout de suite, tu as dit celle-là, elle va me servir pour faire une lampe. Une lampe, tout à fait. Vraiment belle. Là aussi, pareil, les deux techniques, gravure et pyrogravure. Mm-hmm. Comme je n'aurais pu la travailler aussi autrement, mais bon, ouais. J'ai décidé de lier les deux techniques sur cette lampe, sur cette calebasse. Alors, c'est un service de couis, de 6 couis en calebasse. Ah, ils sont gravés à l'extérieur. Oui, ils sont gravés à l'extérieur, oui. Ah,
Ah ouais. Donc ça fait office de couille, d'assiette. Et alors tu as une, tu as deux. Tu as vu? Ils ont tous le même motif. Et ceux-là, par contre, ils sont laissés naturels. Un intérieur naturel, oui. Naturel. Et ça, ça ne s'altère pas par le temps. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. D'accord. Selon l'utilisation que la personne fait avec, elle peut laver après, mettre à sécher, sans problème. Donc voici les calebasses, je te parlais, la forme de la calebasse, la variété de la calebasse. Elle est comme ça. Oui, la petite calebasse. Et c'est avec celle-là que je fais les tête-balles ou les porte-monnaies. Là, elle est pleine, celle-là. Oui. Ça pèse combien à peu près? Ça pèse pas grand-chose. Pas grand-chose, au moins 10 grammes, fait pas... Et c'est avec que je vais, quand je la découpe dans ce sens, ce sera pour les timbales ou les porte-monnaies. Et de l'autre sens, c'est l'autre porte-monnaie avec le tissu. D'accord. Donc tout dépend de la forme, tout dépend de la découpe. La découpe, elle est très importante. Et là, tu vois, la découpe avec les calebasses sèches. Ah oui. Qui sont déjà sèches. Donc voici l'autre moitié. Et c'est avec ce modèle que je fais les porte-monnaies. D'accord. Donc là c'est la phase de séchage. Ouais, la couleur a déjà changé. Oui. Couleur de séchage aussi pour l'autre modèle. Ah oui. Et pour celui-là. Cette couleur-là, c'est impressionnant. Oui, ouais. C'est sa couleur. Là encore, c'est une autre couleur. Ah oui. Et en fonction de ça, tu peux faire... Oui, je fais un motif bien particulier. Bien particulier. Donc verte et la sèche. Donc on voit tout de suite la différence. Oui, oui. Et des fois, tu as l'impression que le motif peut être aussi dans la calebasse même? Dans la calebasse, oui. Il y a ça aussi. Des fois, le motif est déjà là-dedans. Donc je laisse naturel. Naturel. Oui. Ouais, impressionnant. Ouais. Donc verte et là, ouais. C'est la phase de séchage. Alors par contre, pour le séchage, tu disais que ça mettrait à peu près... Non, il faut compter au moins une semaine. Une semaine de séchage. En fonction du soleil. Soleil constant. Constant, ouais. Et quand ça t'arrive qu'il y a des phases de pluie, comment tu fais? Tu donc je mets à sécher à l'intérieur, donc d'accord. Ça va. Okay. Bon, ça ne va pas me donner le même effet que sous la chaleur. Ouais. Donc de temps en temps, je la sors quand il... Mais lorsqu'il pleut, je la fais sécher à l'intérieur. Il y a du travail. En tout cas, il y a du travail. Hein. Ouais. Tu vois, le produit, lorsqu'il est fini, on voit qu'il est beau, mais on ne voit pas les heures de travail derrière. Les heures de travail, oui. Une fois la calebasse verte cueillie, nettoyée et tout, c'est pas... Mais les gens ne se rendent pas compte de tout le travail, de tout le processus qu'il y a derrière, quoi. Ouais, tu me disais qu'il fallait à peu près un mois, 15 jours pour produit fini. Oui, en tout, oui. Nettoyage plus conception. Conception. Oui. Au moins un mois pour une calebasse. Une seule calebasse. Oui. Tu t'imagines? Ah oui. Nettoyage, lavage, enfin tout, c'est... C'est beaucoup de travail quand même. Et pour moi, tant que le produit n'est pas terminé, je ne la vois pas. Il faut qu'elle soit vraiment complètement terminée. Et comme je dis, ça avant tout une passion, c'est bon. C'est un travail que j'aime, c'est un art que j'apprécie beaucoup. Quand même, et 30 ans. Hein. Oui. 30 ans, c'est pas 3 jours. Hein. Oui, et après 30 ans, je découvre encore d'autres techniques de travail, d'autres idées de produits, enfin ça ne s'arrête pas, quoi. Alors, ici. Alors, ça fait office de boîte, c'est une autre forme de calebasse. Soit boîte à bijoux ou bien on met ses clés. Là, j'ai utilisé du bakois. Donc, toujours le contenant et le support. Yeah. Donc, on referme et puis tranquille. Donc, la personne peut mettre ses affaires personnelles. Ça et peut... En plus, si tu. Tu fais pas attention, tu n'arrives pas à savoir, tu penses que c'est quelque chose qui est là comme ça, directement. Ouais, ouais. Tu peux tout cacher dedans. Mmh. Ouais, tu mets ce que tu veux là-dedans. C'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, ici. Oui, alors c'est une variété de calebasse aussi, qui est une forme allongée, assez épaisse. Et je sais déjà ce que je vais faire avec. Et c'est la même variété. Que celle-là. Et celle-là, elle sera prête pour une lampe à pétrole à deux têtes. À deux têtes. Voilà, ouais. Mais c'est la même variété. Oui, parce que tu vois, quand j'ai vu celle-là, j'ai pensé à une gourde. Oui. Exactement. À une gourde pour boire de l'eau. Et celle-là, elle est déjà vraiment plus que sèche. Elle commençait déjà à pourrir. Mm-hmm. Mais je sais, de par le motif, comment je vais la travailler. Et celle-là, c'est pour une lampe à pétrole à deux têtes. À deux têtes. Ouais. Bon, les lampes à pétrole, bon, ouais. Différents motifs. Ouais, ça... Là, c'est en phase de finition.
Donc il va nous aussi à venir. J'ai encore du boulot à faire sur ces trois-là. Sur cette semaine, j'ai travaillé plutôt les supports. D'accord. J'avais déjà le contenant qui travaillait, mais aussi à faire les supports. Donc cette semaine, j'ai fait les trois supports que j'ai collés. Et puis après, ce sera la phase de vernissage. Alors là, c'est le fameux couis que tout le monde connaît. La calebasse coupée de moitié. Ouais. Et ça sert de couis. Ça peut servir aussi de fruitier. Et c'est avec des calebasses comme ça que les pêcheurs à l'époque écoupaient l'eau du canal. Oui, ce système. Mais coupé de moitié comme ça, on peut faire plusieurs utilisations. Mettre des fruits à l'intérieur. Oui, je me rappelle, ma grand-mère mettait sa viande à. Exactement. Assaisonner. Ouais. Ou même du poisson s'assaisonner. Ouais. Oui. Une fois qu'elle est bien nettoyée à l'intérieur, ça va, ça ne bouge pas. Il y en a même qui sont encore plus grosses. Donc il y a de toutes les tailles. Hein. Mais coupée de moitié, elle peut servir pour pas mal de choses. Mm-hmm. Non, c'est vrai que ça dure longtemps en plus. Hein. Et la particularité, c'est que je la travaille aussi à l'extérieur. Je fais des motifs autour. Ouais. Une fois utilisée, on peut la nettoyer, la blanchir avec de l'eau de javel et elle reprend sa couleur initiale. Alors, tu as autre chose ici? Oui, là ce sont des calebasses en préparation pour une lampe à pétrole. Alors là, tu as le contenant. Il y a une petite couleur celle-là. Oui, tu as le contenant et un exemple, son support qui va avec. Ouais. Tu vois, ce sera comme ça. Donc c'est... Les quatre là sont des lampes, des calebasses pour des lampes à pétrole. Et ce sont ces quatre calebasses, je les ai cueillies dans le même arbre. Dans le même arbre. Ils ont des formes différentes. Des couleurs différentes. Des couleurs différentes. Couleurs et formes différentes. Géométrie différente. Alors que c'est le même calebassier. Ouais, c'est impressionnant. Dans le même calebassier, les couleurs vont changer. Même pour les supports, c'est pareil. Et celui-là, il ressemble à un ballon de football, là, c'est quoi? Oui, c'est aussi pour une lampe à pétrole. Une lampe à pétrole. Oui, donc tu vois, l'intérieur est traité. Ce produit spécial que j'utilise pour l'étanchéité du pétrole, et puis ça va. Et je m'assure de donner deux couches, et comme ça, il n'y a pas de problème. Et même ce motif, ça m'a pris plus d'une semaine de travail. Une semaine de travail? Oui, uniquement le motif. Mais et il va me rester le support encore à faire. Ben, je trouve que tu travailles vite quand même. Hein. Ouais. Pour une semaine, pour tout ça. Ah oui, ça prend du temps. Ouais. Et ces idées-là te viennent comme ça? C'est des images qui te viennent dans la tête? Oui, je fais des recherches. Tu fais des recherches aussi? Des recherches graphiques. Mais je peux aller dans une structure et puis découvrir des formes géométriques, tout ça, oui. Et des fois aussi la nature aussi. La nature aussi, c'est important, oui. La nature aussi te donne des idées. Je m'inspire de tout. Dès que je sors, je... Tu regardes et ça reste dedans. Mais j'ai toujours un petit carnet aussi où je fais des esquisses. D'accord. Ouais. Okay. Mais partout où je vais, je m'inspire de tout en général. Ah, mais c'est ce qu'il faut, hein. Ça peut être un reportage à la télé. Enfin, mes inspirations sont sans limite. Ouais. En tout cas, c'est très joli. Et là, tu vois, je te parlais de couilles décorées. Ah oui. Le couille décoré à l'extérieur. Ah. Ouais. C'est un exemple de couille décoré. J'aurais pu encore pyrograver, mais je l'ai laissé comme ça, naturel. Naturel, d'accord. Mais j'aurais pu encore la brûler. Et ça, on peut servir pour manger. Pour manger, ouais, faire ce qu'on veut avec, ouais. Souvent, les gens l'utilisent pour manger. Une fois que tu as mangé à l'intérieur, tu nettoies ton couille et puis ça va. Ça peut être au bord des plages, une sortie, ouais, c'est pratique, en campagne, ouais, très pratique. Ouais. En plus, c'est très profond, donc c'est une bonne contenance. Bah oui, ouais. Là, c'est les bons mangeurs. Exactement. C'est pour les bons mangeurs. Ouais. Alors, on va arriver à cette fameuse lampe officielle à deux têtes. Oui. Oui, la fameuse lampe à pétrole à deux têtes. Ouais. Moi, en toute sincérité, c'est la première fois que j'en vois. Et c'est là aussi, elle a pratiquement 30 ans. 30 ans. Ouais. Et tant que ça n'a pas bougé. Alors comment c'était venu cette idée de faire une lampe à,
À deux têtes. Alors, c'est la forme de la calebasse dans l'arbre qui m'a inspiré quand je l'ai vu allonger. Ouais. Donc, j'ai cueilli et puis je me suis dit pourquoi ne pas faire une lampe à deux têtes. Je pense à sa forme allongée, donc. C'est original, hein? Oui, oui, très original. Donc, on a beaucoup plus de lumière. Alors. Et voilà. Ça y est. Laissez la flamme régler. L'intensité. Ouais. Et voilà. Là, tu as... Voilà, une lampe. À deux têtes. Et l'éclairage est diffusé à droite et à gauche. Ah oui, il est là. Alors, tu m'as dit cette sculpture-là a été l'occasion pour... C'est un concours organisé par le CNFPT. Oui. Où j'ai eu le troisième prix. Et là, ça représente quoi exactement? Alors, ça représente un poisson, si tu veux, fossilisé dans la calebasse. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, je l'ai cueilli, la calebasse verte, mm-hmm. mais il y avait un trou à l'intérieur à ce niveau-là. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas le combler en faisant un motif bien particulier. Et puis, en plus, mon signe zodiacal, c'est le poisson. Ah, alors, donc, ça t'a inspiré. Exactement. Alors, celui-là. Ouais, c'est la fameuse tortue. Alors ici, tu as profité pour mettre des fruits maracuja dedans. Et on aurait dit que c'était une tortue qui a pondu des œufs. Qui a pondu, tout à fait, exactement. C'est vraiment bien. Et là aussi, pareil, la calebasse verte que j'ai découpé la tortue. Ouais. Après, j'ai enlevé la pulpe. Et après, ça a pris sa forme. Ça a pris sa forme sous l'effet de la chaleur. Ça a pris sa forme initiale. Ouais. Ouais. Ta première lampe, elle date de quand exactement? Alors, ma première lampe, elle date de 1990. Et c'est cette fameuse lampe qui a toujours du pétrole à l'intérieur. Et elle a plus de 30 ans. Plus de 30 ans d'âge. 30 ans d'âge. Ouais. Et que je vais allumer. Allumer, ouais. Donc, bien traitée à l'intérieur. Et ça, le traitement n'a jamais bougé. Et c'est cette lampe que, à l'occasion des expositions, que j'en mets le pétrole. Et c'est la toute première lampe. La toute première lampe à pétrole. 30 ans. 30 ans. Waouh. Alors félicitations. Donc, comme je dis, Monsieur Patrick Vallée, l'inventeur, le concepteur, le premier à avoir inventé la lampe à pétrole. Depuis 1990. Ouais. 1990. Voilà. Ouais. C'est Monsieur Patrick Vallée. Surtout qu'après 30 ans, j'ai encore d'autres idées. De créativité au niveau des motifs aussi. Il y a pas mal d'idées. Même moi, je suis étonné de voir que je réalise encore d'autres motifs. D'accord. C'est un travail passionnant. Et puis qui n'a jamais de fin, quoi. Oui, exactement. Voilà. On ne finit pas d'apprendre. Mais pour l'art de la calebasse, c'est pareil. Tous les matins, tu prends toujours le même plaisir à te lever. Ah oui. Ah oui, toujours un plaisir. Puis comme je dis, j'ai toujours un petit carnet où je note tout ce que je fais et puis ça n'arrête pas. D'accord. Et ce qui est bien depuis le travail que je fais, les gens ils ont un autre regard sur le fruit, sur l'arbre, sur la calebasse. J'ai remarqué qu'ils ont... Oui, parce qu'ils se rendent compte quand même. Ouais, de ce qu'on peut faire avec depuis. Ah oui, ils sont assez étonnés. Moi personnellement, ça m'épate. Hein. Voici la calebasse déformée avec le poisson. Voilà, la calebasse déformée, la fameuse calebasse déformée. Oui, alors là, maintenant, je vais faire la découpe de cette calebasse pour une lampe à pétrole.
Oui. Il faudra déjà que je choisisse quelle partie pour mettre le, pour faire le diamètre voilà, de, c'est ce que de je... la tête. Oui. Voilà. Par exemple, comme ça là, bon, comme la calebasse n'est pas bien équilibrée, donc je vais opter pour faire le diamètre par là. Ah bon, pourquoi c'est... Non, elle est plus ou moins stable, bien que je vais mettre le ouais. support en bas, mais j'ai choisi cette partie. Donc il faudra qu'elle soit bien, plus ou bien, bien équilibrée. Alors je regarde un peu partout. Il faut qu'elle soit bien au milieu. Et tu mesures pas du tout ça, tu prends pas de... Non, non, c'est visuel. Okay. Avec l'expérience, donc voilà. Bon, ça a bougé un peu, c'est pas un problème. Et comme la calebasse est ronde, donc c'est pas évident de mesurer pour ça, pour connaître ah, le okay. milieu. Moi, je pensais que tu utilisais un fil non, ou un non, truc pour, par rapport au savoir pour centrer. C'est à l'œil. À l'œil. C'est à l'œil. Donc là, ça devrait aller. Surtout quand je vais mettre le support après. Ouais, là, c'est bon. Et là, je vais choisir celle-là pour la déco, pour le support. Donc, je fais un tracé au milieu. Donc, c'est juste chercher le milieu aussi à vue d'œil. Donc là, j'ai déjà deux supports ouais. de calebasse. Alors, un support pour celle-là et un autre support pour l'autre. Et là, je vais utiliser l'appareil pour la découpe maintenant. Là, ça c'est la première déco. Donc je vais juste enlever pour que tu puisses voir l'intérieur. Voilà. Donc, l'intérieur après, c'est rigide. Oui, c'est rigide, c'est très dur. Ouais. Après, je vais passer au nettoyage, enlever la pulpe. Donc là, je vais. Ça a une odeur particulière ou pas? Oui, une odeur assez particulière. Ah, mais ouais? Comme je suis déjà habitué, je ne prends même pas l'odeur. Mais c'est parce que c'est tout blanc là. C'est tout blanc, oui. Et apparemment, elle a des vertus médicinales. Mais il faut connaître, hein, parce qu'il y a des gens qui font un sirop avec. Ah bon? Avec ouais, le contenu? En plus, ouais. Et contre les maux de ventre. Et assez pareil aussi. D'après ce que je sais, je n'ai jamais essayé non plus. Elle a des vertus aphrodisiaques. D'après ce qu'on m'a dit. Mais il faut connaître la recette. Ah pour bien. Le sirop. Bien. Mais la pulpe à l'intérieur, c'est un poison. Hein. Ah. Mais pour en faire un sirop, il faut connaître la recette. Il faut connaître. Là, je vais découper maintenant cette calebasse pour le support. Je vais l'ouvrir avec un couteau. Et voilà. Ah. Eh bien, dis donc, il est très dur. Hein. Ça, c'est les graines. Il y a des graines à l'intérieur. Il y a des graines. Et ça, si tu les sèmes, ça pousse. Non, vaut mieux le faire avec une tige. Les graines, ça prend beaucoup plus de temps. Ah. Ouais. Donc, vaut mieux avoir une bouture du calebassier, et puis comme ça repousse. D'accord. Okay. Mais avec la graine, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, l'étape qu'on vient de faire là, c'est ça s'appelle le... Le découpage. Découpage. Ouais. Ok. Et puis là, on va passer au nettoyage de l'eau. Après que je vais enlever la pulpe, je vais mettre à tremper la calebasse dans de l'eau. Ah, et tu vas la laisser plonger dans l'eau? Oui, pendant 2 jours. 2 jours? Pour encore enlever les particules. Ah, ok. Donc ce sera le premier pré-nettoyage. Mm-hmm. Et après, je vais mettre à tremper dans de l'eau. Tu vas procéder? Là, je vais procéder au nettoyage. Nettoyage. Enlever la pulpe à l'intérieur.
enlever le maximum. Hein. Au départ, la pulpe elle est dure, mais après ça va. Ça va se ramollir. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque de casser la calebasse quand c'est comme ça? Non, bon, avec l'habitude, je fais quand même attention. Ouais. Surtout comme elle est déjà bien mûre, bien verte. Ouais. Bien dure, donc ça. Elle est plus facile à casser verte que sèche. Oui, vaut mieux la ouais. Sèche, elle est déjà plus fragile. Donc on est obligé de passer par cette étape. Donc elle est verte, le nettoyage avant tout. Sinon elle risque de pourrir. Ah ouais, ça contient beaucoup de choses quand même. Il y a une bonne partie que j'ai déjà enlevée quand même. Ouais, ça se voit, il en reste quand même. Hein. Ouais. Alors, j'ai vu que tu as mis des gants. Oui, alors pourquoi les gants? Parce que la pulpe à l'intérieur, elle a tendance à attacher sous les ongles. Et de quelle couleur? Ça noircit. Ah ouais, et ça sort pas? Non, à la longue, ça sort. Je me suis déjà renseigné, même au niveau de la pharmacie. Il n'y a rien qui l'enlève, c'est à la longue que ça part. Ah bon? Donc, tout au début, c'est un peu acide alors? Oui, exactement. Ça noircit sous les ongles et il faut attendre des fois une semaine, hein. Wow. Donc ça part tout seul. Il n'y a aucun produit qui l'enlève. Il enlève. Parce que quoi que je me protège avec mais t'as raison. Gants, ouais. Ça c'est une bonne chose à savoir ça. Ouais. Les Amérindiens savaient travailler ça. Hein. Ouais, exactement. Moi ils ont été les premiers ouais. à travailler la calebasse. Ouais. Il y a même des tribus jusqu'à présent. Ouais. Moi, je travaille à l'extérieur, mais eux, ils travaillent à l'intérieur. D'accord. Des peintures et tout. À l'intérieur de la calebasse même. Eux, c'est à l'intérieur de la calebasse qu'ils décorent. Et ils sont où? Et non, l'extérieur. Ils sont où, ceux-là? Je ne me rappelle pas, mais je sais que c'est une tribu de la Caraïbe. Caraïbe. Leur spécialité, c'est travailler l'intérieur de la. Par exemple, les couilles qu'on a vues, ouais. ils décorent l'intérieur. Ah ouais, ouais. Ça ne doit pas être facile. Ouais. Au lieu de l'extérieur, c'est l'intérieur. Mais dis-moi, dans ta famille, il y avait des gens qui faisaient ça, qui ont commencé à travailler la calebasse. Pourquoi tu puisses avoir cette envie? Non, c'est juste que non, c'est... C'est venu tout seul? Oui, bon, mon père qui est décédé il y a quelques années, il était ferronnier d'art. Mm-hmm. Donc je pense que c'est parti de là. Quand j'étais petit, j'allais à son atelier, je le regardais faire. Et il y a pas mal de balcons. Au Vauclin, c'est lui qui les a faites. Même aussi au niveau du cimetière, les portes de cimetière, c'était lui. Ah, oui. C'était un parmi les premiers ferronniers d'art au Vauclin. Donc souvent, j'étais avec lui à son atelier, je le regardais travailler. Non, je disais, bon, une seule, là, on a fait la démonstration avec une seule, mais imagine que j'ai 10, 20, 30 calebasses à nettoyer dans la journée. Donc, là, tu en as pour au moins un bon moment. Un bon moment. Et c'est un passage obligé, le nettoyage. Et ça n'est qu'une étape. Oui, oui. Parmi, exactement. Déjà, regarde, depuis qu'on a commencé là, déjà rien que pour vider une calebasse, ouais. ça met à peu près 15-20 minutes. 15-20 minutes. Je n'ai même pas encore fait le nettoyage des deux supports. C'est presque bon. Donc tu vois, je vais mettre à tremper et demain, même après demain, je vais enlever encore ce qui reste. Voir l'intérieur. Ouais. Donc les pulpes qui restent à l'intérieur, je vais mettre la calebasse à tremper dans de l'eau. Mm-hmm. Même d'ici demain ou après demain, ça va sortir encore plus vite. D'accord. Donc pendant une semaine, tu peux faire que ça? Oui, ça dépend du nombre de calebasses. Je préfère
même si j'ai des inspirations pour la conception même de la lampe, ouais. au niveau motif, je préfère faire une semaine de nettoyage ou bien pendant un week-end. Oui, puis pendant que tu nettoies, ça développe également ta capacité à créer. Exactement. Alors, est-ce que ça arrive quand tu nettoies, par exemple, bon, tu sais déjà ce que tu vas faire. Oui. Mais est-ce que ça peut t'arriver de changer d'avis par rapport à une calebasse quand tu avais prévu de faire une chose dessus? Oui, souvent ça m'arrive. Ah bon? Souvent. Par exemple, au séchage, je peux avoir différentes techniques, inspirations pour une calebasse. Ah, ok. Bon, mais au dernier moment, bon, mais ça m'arrive aussi de faire un motif. Et puis, deux, trois mois, bien, deux, trois semaines après, revenir dessus, il a travaillé encore. Ah, quand même. Sinon, ça peut arriver. Tout dépend du motif que j'ai fait, ou je peux aussi changer d'avis. Et le plus souvent, c'est le soir que ça m'arrive, hein, quand j'ai les inspirations nouvelles. Alors, ça peut arriver de rester jusqu'à quelle heure à travailler comme ça? Des fois, même vers 22 heures. Hein. 22 heures. Le soir, bien tard. Et je trouve que je suis mieux inspiré le soir pour travailler que... Oui, parce que tu as l'esprit que tu es plus reposé. Exactement. Ah oui, le soir, je suis plus tranquille. Par exemple, cette moitié de calebasse, mis à part le support pour lampe, je peux l'utiliser aussi, comme ça peut faire office pour mettre des dragées, des amuse-gueules et tout comme ça, quoi. Donc la calebasse, on peut faire pas mal de choses avec. Il y a des gens qui utilisent pour mettre leur lait, leur crème. Une fois qu'elle est bien nettoyée, ça va. C'est le même système que le couille, bien nettoyé et puis ça. Donc voici le rendu à la fin. Et après, tu le mets quand même à l'eau, celui-là? Oui, celui-là aussi, pareil. C'est le même principe que l'autre. Laisser une à deux jours tremper dans l'eau, puis après enlever à nouveau ce qui reste. Alors, donc ça, c'est deux calebasses. Deux calebasses, oui. Deux petites, hein? Oui, deux petites en plus. Alors, allez voir les plus grandes. Ouais, ah ouais. Il y a du pain sur la planche, hein? Exactement. Rick. Oui, salut, Eddie. Alors, oui, comment tu vas? Oui, ça va. Alors là, aujourd'hui, tu vas faire quoi? Alors là, je vais te montrer une démonstration de pyrogravure. Ah, ok. Et comme je te disais auparavant, comme la calebasse, elle n'est pas épaisse, donc j'ai décidé uniquement de pyrograver. Et là, ce sont des poissons que j'ai décidé de faire sur la calebasse. Ah, en vue toujours d'une lampe à pétrole. Donc c'est un système qui sert à brûler la matière. Ok, et ça ne risque pas de la transpercer? Non, il suffit de... Bon, il suffit de savoir maîtriser le pyrograveur et ça va. Et ça chauffe jusqu'à combien de degrés à peu près, ça? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché à savoir. Mais c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est très chaud. Donc, j'avais déjà commencé un poisson pyrogravé. Donc, je vais continuer d'autres modèles. D'accord. Délicat, ça, hein? Ouais, très délicat. Alors cette pointe là, comme il y a plusieurs pointes normalement, hein, donc ouais. Cette pointe va me servir à dessiner les traits et à remplir aussi à faire d'autres motifs. Ah, ok. Donc d'abord il y a le traçage d'abord. Effectivement, même cette technique, ça prend beaucoup de temps. Hein. Ah oui, et puis il faut être précis, parce que si tu... Très précis, ouais. Si tu t'éloignes trop de ton sujet, c'est pas bon. Bon, là maintenant, je vais procéder au brûlage à l'intérieur. Comme je dis, c'est une démarche toujours personnelle. Donc je vais plus faire un autre motif. Et là maintenant, je vais brûler l'intérieur. C'est comme si je faisais du coloriage. Mais là, c'est de la pyrogravure.
ça fume légèrement. Ça fait oui, donc c'est, ouais. C'est très très chaud. Hein. Donc j'ai bien fait ressortir le motif. Donc sur chaque poisson, il y a un motif différent. Toujours à main levée. Tu n'as pas besoin de dessiner à l'avance Non. Ce que je dessine à l'avance, ce sont le contour, les poissons, que je dessine au crayon et après je passe le pied au graveur. Mais les motifs internes, c'est ça, ça à main levée, en fonction de mes inspirations. Ouais, brûlage très délicat, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est la lampe à pétrole avec les poissons qui me prend le plus de temps. Ah oui, je suppose, parce que ouais. Avec tous les motifs que tu fais dessus, ouais, ça ne doit pas être facile. Hein. Exactement. Ah ouais, ça lui donne la couleur directement. Directement. Tu vois là, tu peux toucher après, il y a... Rien ne sera altéré, donc une fois que c'est brûlé, c'est définitif. Tu ne peux pas revenir dessus, tu ne peux pas le recolorer. Non. Au départ, il faut choisir le motif. C'est très important. Ah oui, il ne faut pas te gratter. Hein. Exactement. Donc tu vois la calebasse, on peut faire beaucoup de choses avec. Hein. Non, c'est du brûlage, c'est de la pyrogravure. Ah ok. Et comme effectivement chaque poisson a un motif différent, ouais. Donc c'est pas évident. Oui, parce que j'ai vu un poisson qui avait des. Ouais, celui-là par exemple, qui a des traits, qui a des trucs. Des traits, oui. Ouais, c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. C'est du boulot. Surtout là, la lampe à pétrole, là, que le motif du poisson, déjà ce motif-là, il faut coter au moins 4-5 jours. Hein. 4-5 jours. Ah oui. Donc ce n'est même pas comptabilisé en nombre d'heures, c'est en nombre de jours. En nombre de jours, ok. C'est un métier de patience. Surtout de patience. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a la passion, mais il y a la patience aussi. Hein. Parce que si tu n'es pas passionné, tu peux pas... Oui, tu te lasses vite. Tu peux pas faire. Vraiment, c'est un art particulier. Donc avec la même pointe, je vais dessiner les traits. Et après, je vais remplir après. Mmh. 30 ans de métier, ça commence à devenir quelques temps, quoi. Oui. Ça fait du temps déjà, hein, 30 ans. Et en 30 ans de métier, on ne finit pas d'apprendre aussi de nouvelles techniques, de nouveaux motifs, malgré les 30 ans. C'est un travail pratiquement chirurgical que tu fais. Hein? Ah oui. Là, ce sont des moitiés de calebasse que j'avais découpées, que j'ai mis à sécher. Et ces moitiés de calebasse vont me servir de support pour les lampes à pétrole. Et là, ils ont changé d'aspect déjà par rapport... Ils ont changé, oui. Et ce sont des calebasses qui sont sorties du même calebassier. Donc là, par exemple, elle est déjà d'une autre couleur par rapport à celle-là. Ah oui, c'est vrai. Donc là, si tu veux, il y a un début de séchage. Ok. Mais la vraie couleur, sec, c'est... Sa vraie couleur, c'est ça. C'est ça. Comme ça.
Mais comme elle peut changer d'aspect aussi. Ah, ok. Tout dépend des faits du sol. Et là, c'est combien de temps de séchage déjà hein? Là, ça remonte à 2 semaines de séchage. 10 semaines de séchage ouais. Déjà. Ah, bah dis donc, ah ouais. Donc, dans le même arbre, tu as différentes calebasses. Tu as différentes calebasses qui donnent différentes couleurs. Qui donnent différentes couleurs. Ouais, c'est impressionnant. Ah, la fameuse calebasse qu'on avait vue oui, bizarre là. Ouais, là, je l'ai fait une sirolie avec. Donc, j'ai nettoyé l'intérieur. Ouais. Et je l'ai mise à sécher aussi il y a 2 semaines. Donc là, j'ai déjà changé d'aspect. Ah oui, elle a changé d'aspect par rapport à ce qu'on avait vu. Exactement. Ah ouais. Eh bien, dis donc. Ouais. Il y a encore quelques bricoles à faire par rapport à... Mais là, c'est sa forme naturelle dans l'arbre. On a des calebasses qui ont commencé à sécher depuis à peu près 15 jours aussi. Oui, 15 jours aussi. Et ils ont différentes couleurs aussi, hein, ça se voit. Ouais, pareil, donc par rapport aux 3 premières où la couleur a changé, les autres commencent à... Oui, ils changent, ils ont différents aspects. Hein. Différents aspects, oui. Et pareil, ils sont du même calebassier. Le même calebassier. Ah oui, c'est vrai, c'est celui qu'on avait, on avait cueilli ensemble, là. Exactement. Tout ah, ok. Ouais, c'est vrai que il y a d'autres qui sont beaucoup plus clairs que. Alors, différentes étapes, différentes couleurs. Ils sont sortis du même calebassier et ils sont en séchage depuis 15 jours. Là, tu vas faire la pyrogravure oui, sur le puits. Sur pyrogravure sur un puits. Oui. Alors toujours pareil, bon là c'est ce sera juste remplir certains motifs comme ça, brûler certaines parties et non d'autres pour faire bien ressortir le motif sur le puits. Là c'est du remplissage aussi, uniquement du remplissage. C'est impressionnant parce que c'est vrai, tu as l'impression que c'est de la peinture. Exactement. Quand tu vois le travail fini, tu penserais que. Et c'est pas une blague, ça ressemble beaucoup à la peinture. Hein. Exactement, ouais, ouais. Alors que c'est pyrogravé. Et là, ça bouge plus. Ça bouge plus, pareil. C'est vrai que là aussi, ça prend du temps. Ah ben oui. Bien s'appliquer à bouler, à pyrograver. Donc tu vois, les motifs ressortent déjà mieux là. Mmh. Ça, c'est la magie de la pyrogravure. Ah oui. Et regarde au loin, tu vois, ça donne déjà un autre aspect. Oui, ça change énormément d'aspect. Ça change, C'est très beau. Ouais. Donc, un travail fini, ça donne ça, quoi. Exactement, voilà. Ça change l'aspect. Donc c'est de la pyrogravure. Tu vois, ça fait penser à un carrelage. Un carrelage, tu as mis le ciment autour et tout. Exactement. En gros, sur celle-là, tu as 2 techniques, la pyrogravure et la gravure. Ouais, la gravure. Ouais. Et la gravure, c'est celle-là alors. Oui, au milieu. Au milieu. Mais en gros, c'est tu as gravure plus pyrogravure. Ah oui, d'accord. Tu as les 2 techniques. Ouais. Right.
Ça demande beaucoup de temps. Là, le séchage, qu'on avait dit, oui. La cueillette. Tu as la cueillette, tu as le séchage. Mm-hmm. Oui, j'utilise de l'eau de Javel pour blanchir l'intérieur. Mm-hmm. Encore du temps. Plus, donc, un couillis me prend des fois 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Oui. Et effectivement, le nettoyer, sans compter le nettoyer, le séchage. Ouais. Sur le séchage, c'est au moins une semaine. Une semaine. Ouais. Minimum, hein? Minimum. Ça peut aller jusqu'à 15-20 jours. Oui, ça peut aller jusqu'à 15 jours. D'accord. Ça va dépendre du temps. D'accord. Plus il y a du soleil, plus ça va sécher vite. D'accord. Et plus elle va me donner une couleur bien précise. Bien précise. Et le format de la calebasse, qu'importe son format, ce sera toujours le même. Oui, qu'importe le format. C'est en fonction de l'épaisseur, de la couleur au séchage, que je fais un motif bien précis aussi sur les couilles. D'accord. Ok. Mais au départ, tout dépend de la couleur de la calebasse au séchage. Ça peut être les lampes à pétrole, fruitiers, couilles. Mm-hmm. Moi, je travaille en fonction de la couleur et de l'épaisseur aussi. D'accord. Alors, est-ce que c'est prévu prochainement des expositions les... Pour le moment, non. Mais j'ai un projet d'une exposition en salle avec que des lampes à pétrole. D'accord. Une exposition de peut-être 3 à 4 semaines. D'accord. Mais mon projet, c'est présenter uniquement les lampes à pétrole. Bon, ben Patrick... Si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas. Mais... Comme donc, si quelqu'un veut acheter, il peut venir directement au 42 boulevard du Général. 42 boulevard Charles de Gaulle. D'accord. Et le numéro de téléphone? Oui, alors c'est, j'ai un numéro de portable, le 0696 82 96 94. Ou le fixe, le 05 96 74 45 66. Et au niveau des expéditions, ça se passe comment? Tu fais des expéditions également? Oui, c'est possible, c'est possible, oui. Je peux expédier et aussi les produits. D'accord. Et les lampes à pétrole, surtout voyageurs, très bien. Comme elles sont légères, donc ça va. Ok. Eh bien, Patrick, c'est parfait. Donc, je suis toujours au Vauclin. À bientôt. À bientôt. Merci. De rien.